cadran sonne, mon loup. Quoi? Ton cadran sonne! Oh, c'est pas mon cadran sonne! Salut, Maud! Salut, Samy! Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de spécial. Je voulais juste te dire de pas te décourager. Ta mission est presque terminée. Ma mission? Ben oui, dis-le, ta mission. Attendre à ce soir avant de dire à Mélanie que t'intéresse pas. Maud, j'ai été cool. Moi, j'ai rien dit, mais tu me demandais d'attendre jusqu'à vendredi. Puis aujourd'hui, c'est vendredi. Je sais, mais l'heure limite pour les inscriptions pour le journal, c'est 4 heures. Faut juste pas que tu lui parles de la journée, là, c'est tout. Puis comment je fais ça? Je me cache aux toilettes? Ça fait 3 jours que je l'évite. Elle va commencer à me trouver louche. Ben, tu pourrais lui donner une chance, hein? On sait jamais. Peut-être que tu vas tomber en amour avec elle. Maud, j'ai plus de chances de tomber en amour avec la surveillante qu'avec Mélanie. Non, t'as-tu rêvé que t'as été refusé à Saint-Placide? Ah non, c'est vrai! T'as été refusé à Saint-Placide! Hey, t'es pas cool avec lui, là. Julien, merci, puis Francis, ferme-la. T'as fini les céréales? Ça se peut. Maman, ma chambre, là, je suis vraiment... Ben oui, je comprends. Écoute, Samy, je te demande juste une petite journée de plus. OK, c'est correct, là. Je vais attendre ce soir avant de lui envoyer un courriel. Mais non! On casse pas avec quelqu'un par courriel! Ça se fait pas! Je peux pas casser, là. Je sors même pas avec. Ça se fait pas quand même! Non, regarde, c'est pas compliqué. Tu l'attends après l'école, hein? Après l'école. Puis tu lui dis... Mélanie, t'es super gentille, mais tu m'intéresses pas. Oui, c'est vrai que c'est pas compliqué. Hein, c'est juste la fille pas mal intense du directeur avec qui je partage mon casier. Inquiète-toi pas, elle va s'en remettre. Mélanie va avoir 100 000 autres kicks avant le bal des finissants. Oh, souris, Samy, ce soir, tout ça va être fini. Est-ce qu'on pourrait déjà être ce soir, là? Ben, bonne journée, à tantôt! Non, oui, prends ton autre ligne, oui, je t'attends. Oh, non, le journaliste en parle dans son article. Oh, allez... Ça arrive à tout le monde de faire des petites erreurs dans la vie, hein, mais on stresse pas avec ça. Pourquoi tu stresses pas? Parce qu'il a fait un lapsus. C'est quoi un lapsus? Ben, c'est quand tu veux dire quelque chose, mais c'est le mauvais mot qui sort. Fait que, au lieu de dire « mord pas la main qui te nourrit », tu dis « mord pas le nain qui te nourrit ». T'as-tu vraiment dit ça? C'est qui ce nain-là? J'étais stressé. Ma première grosse entrevue depuis le début de la campagne électorale. Sad pis Jacques vont-tu me picosser avec ça, tu penses, c'est à soir? Sûr. Ah, c'est vrai, c'est ce soir notre partie de voisin de la rentrée. Oui. Le candidat Alain Bocage a fait crouler de rire l'assistance en affirmant... C'est beau, Julien, je l'ai déjà lu. Ça veut dire quoi, crouler de rire? Ça, c'est quand quelqu'un... Oui. Oui, je suis toujours là. Ah oui. C'est quand tu ris tellement que tu trolles la terre. C'est beau, Francis, là. Des belles précisions, mais je l'ai déjà lu. On peut-tu parler d'autre chose, s'il te plaît? Oui! Ma chambre. Est-ce qu'on va la rénover avant 2040? Ça fait 6 mois que vous me promettez qu'on va changer la déco. Oui, on regardera ça. Maman! Oui, écoute, on se tient au courant. Prends soin de toi, je t'embrasse. Ciao! Bon, ma chambre, là, je suis vraiment plus capable. Ben oui, justement, Vincent, ton père et moi, on va en parler. Ah oui? Mm-hmm. Ah oui! Oh, oui, ben oui, certain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas passer ton secondaire dans un lit en petit auto. Tu peux bien parler, toi, monsieur. Je viens de changer ma tapisserie avec des petits dinosaures dessus. Oh, non, les gars, on arrête ça. Non. Bye, Francis. Bonne journée, Vincent, je te le promets. On va en parler plus vite que tu penses de ta chambre. On sait que t'es tanné, Vincent, là, mais c'est quand même pas une urgence nationale, hein? Ton lit prendra pas en feu. J'ai trouvé 3 personnes, hein? Juste à temps. Comme ça, on va avoir assez de monde puis le journal disparaîtra pas. Ah ouais? Oups. Oups. Qu'est-ce qu'il y a? Prends-le pas mal, mais on sait jamais que tu y arriverais. Je le prends pas mal. Non, ce que je veux dire, c'est que je me suis déjà engagée à fond dans l'équipe de basket. Ça fait que je lâche le journal. Hein? Non, mais c'est parce que tu m'as dit que si je trouvais assez de monde, t'allais rester dans le journal. Ouais, je sais. Je suis poche, hein? Désolée. Bonne journée. Merci. Mmh.
fait, là? Je suis venu vous chercher. Aujourd'hui, toute la famille est dans la maison. Il veut pas nous dire pourquoi. C'est si grave que ça, un lapsus? Oh, non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Vous savez, les gars, dans la vie comme au hockey, ça arrive qu'un père de famille doive prendre un temps d'arrêt en plein milieu d'un match pour... réévaluer une situation critique avec ses joueurs. Voilà. Paf, faut vraiment que t'arrêtes de parler comme un coach de hockey, là. C'est pas bon pour tes élections. Je veux dire, si t'avais joué dans la Ligue nationale, peut-être ça passerait mieux, mais... Alors, merci, les gars, pour ces critiques constructives. Mais là, on va y aller parce que Julien nous attend dans l'auto. Come on, skate! Oui, skate, les boys! Skate! Mais on va manger la salade avec la vinaigrette, y a plus de poulet. J'ai pas eu le temps de faire l'épicerie. J'y vais tantôt, faut déjà déboucher pour le 5 à 7 de ce soir. Bon, là, pourquoi vous vouliez qu'on vienne dîner ici? Ta cousine Jennifer vit des choses un peu difficiles à Rimouski. Comment ça? Ben, parce que votre tante Brigitte est dépressive. Elle est malade? Oui, excusez, elle est malade. Puis votre oncle André, ben, il est en voyage d'affaires au Costa Rica. Il est pas au Costa Rica, il est au Chili, mais c'est pas grave. Finalement, Brigitte peut pas s'occuper de Jennifer, donc elle va venir vivre avec nous autres pendant un petit bout de temps. Ma tante Brigitte? Non, non, Jennifer. Puis c'est combien de temps, un bout de temps? Oui, ça, on sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle va aller à la même école que vous autres pendant le temps qu'elle va être ici. Elle arrive quand? Elle arrive ce soir, je vais la chercher au terminus pendant notre 5 à 7. Mais elle va dormir où? OK, c'est quoi l'affaire, là? Elle va dormir dans ta chambre. Tu vas dormir dans la chambre, Julien. Yes! Comme ça, on va pouvoir faire des tournois de DS avant de s'endormir. Il n'y a pas de question. C'est le choix plus logique, mon grand. Non, c'est le choix le plus antidémocratique, tu veux dire? Pourquoi c'est moi qui dois prêter ma chambre? Ben, parce que la chambre à Julien a déjà deux lits, puis Francis, sa chambre vient juste d'être rénovée. Ouais, mais pas encore eu le temps d'en profiter. Ben, c'est pas une raison. Hey, comme toi, là. Puis en plus, comme ta chambre, c'est la prochaine à être rénovée, ben... Jennifer va pouvoir la décorer comme elle veut, sans problème. C'est-à-dire que pendant qu'elle fait des trous dans mes murs, moi, j'ai été obligé de me taper Julien qui graisse des dents. Hey, c'est pas vrai, je graisse même plus des dents. Mais non, mon loup. Alors, tu sais que ça fait pas ton affaire, là, mais la décision est prise. Julien, mettons que je te demande d'aller dormir dans la chambre de Francis pour que Jennifer dorme ici. Qu'est-ce que tu me demanderas en échange? Toutes tes minutes d'ordi pendant un mois. Là, t'auras même pas le temps de les utiliser. Si tu préfères que Jennifer dorme dans ta chambre. OK. Yes! Francis! J'ai pas le temps. C'est important! Quoi? Je sais pas, vous savez, mais Jennifer, elle arrive ce soir, puis on est vraiment pas prêts. Prêts? Pourquoi? Excusez, mais y a une fille qui s'en vient vivre ici. Pis ça? Qui, la porte à salle de bain, elle se barre même pas. Jennifer va capoter. Autant que toi, ça m'étonnerait. De toute façon, tu serais même pas capable de réparer la porte. T'es un intellectuel. Puis une serrure brisée, de toute façon, ça se répare pas. Ça va te prendre une nouvelle poignée. J'ai pas le temps d'aller acheter une nouvelle poignée avant ce soir. Mais oublie ça, Francis, là. Moi et Julien, ici, on aimerait te parler de notre proposition. Jennifer va dormir ici. Et moi, je vais dormir avec toi. Oubliez ça. Mais là, attends! J'ai dit non. Lui, as-tu dit à Julie-Pierre que je suis la fille du directeur, moi? Non. En tout cas, si elle le sait pas encore, elle va l'apprendre assez vite puis elle va sentir petite dans ses shorts. Ton père peut quand même pas forcer Julie-Pierre à retourner au journal. Non, mais nous, on peut lui faire croire qu'il est vraiment fou qu'elle ait pas tenu sa promesse. C'est un peu intense comme plan. Maude, réveille! Ça se fait pas ce qu'elle a fait. On comptait sur elle, nous autres. Puis je suis certaine que Samy aussi va être vraiment fâché. Tu penses? Mais oui! Hey, t'as pédalé toute la semaine pour trouver du monde pour le journal, puis là, soudainement, à la dernière minute, madame préfère le basket. Poc, poc et repoc! T'as raison. Excusez-moi. Entier, Julie-Pierre, la pas fiable, as-tu deux minutes? Il faudrait qu'on parle en casse. Ouh, j'ai quasiment eu peur, moi, là. Oh, salut! Yo! Excuse-moi, mon dit faut absolument que je lui parle avant le début du cours. Bye! Intense, ta baisse? Qu'est-ce que tu voulais me dire? C'est mon petit, puis je me disais que si t'es libre ce soir, on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble? Non, je pense que... Oh! Oh, je le sais! Tu pourrais peut-être venir souper chez nous. Oh oui! Oh, je suis certaine que mon père va être d'accord. Je vais aller lui demander tout de suite. Bye! Pourquoi tu lui as pas dit que t'avais un 5 à 7 chez nous ce soir? Oh, c'est vrai. Mais d'un autre côté, elle serait capable de s'inviter pour venir avec moi. Oh, tout sauf ça.
comment je vais faire là, pour lui dire qu'elle m'intéresse pas? Elle me donne jamais le temps de placer un mot. Ben, t'as juste à la texter. On casse pas avec une fille par texto, ça se fait pas. Tu casses pas, tu sors même pas avec. Je le sais, gars, c'est toi qui me mélange. OK, OK. Est-ce qu'on peut revenir à mon problème de cousine, là? J'ai réussi à convaincre Julien de dormir dans la chambre de Francis, mais Francis veut rien savoir. C'est mon plan? Une histoire de bluff? Non. Non, je suis pas sûr. Je pense pas qu'il va embarquer. T'as vraiment envie de dormir avec ton petit frère pour les 6 prochains mois? Francis! Mélanie, c'est la fille du directeur. Tu penses qu'en pointant avec la fille du directeur, je vais changer d'idée pour le journal? Non. C'est juste que... C'est juste qu'à cause de moi, t'auras pas le temps de te trouver un remplaçant avant 4 heures. Je le sais, Maude, mais... Je comptais sur toi, moi, Julie-Pierre. Tout le monde comptait sur toi. Ah, ouais, je le sais. Bon, je te propose un compromis, OK? Je vais rester au journal, mais tu me trouves un remplaçant le plus vite possible. Ça marche? Oh, c'est parfait. Oh, oui! Merci. Regarde, OK, c'est non, je changerai pas d'idée. OK, c'est comme tu veux. Mais si tu laisses pas Julie dormir dans ta chambre, je dis à tu sais qui que t'as un kick sur elle. C'est quoi cette histoire-là? J'ai pas de kick. Ah ouais? Qui? OK, c'est oui pour Julie. Comment vous l'avez su pour la fille? Ben là, c'est tellement évident. Tellement. Ah ouais? Francis, j'ai une idée pour la salle de bain. Au lieu d'acheter une nouvelle poignée de porte, ben, t'as juste à fabriquer une pancarte qu'on accrocherait sur la porte, puis d'un côté, il serait écrit libre, et de l'autre, il serait occupé! Mais c'est parfait, un écriteau! Ça paraît peut-être pas, mais tu peux être brillant, le frère. Hey, je reviens pas, il y a vraiment un kick sur une fois. Je te l'avais dit. Maman, c'est qui? Hey, avoue que ce serait génial si c'était Mélanie. Moi, je pourrais lui dire, arrête de me courir après, puis va voir Francis. Avec lui, au moins, t'as des chances. Pour briser tes rêves, Samy, mais ça m'étonnerait beaucoup que mon frère soit le genre à Mélanie. Mélanie, ça marchera pas, nous deux. Pour le souper, je veux dire... Pour le souper. Tant mieux, parce que t'es plus invité. Sérieux? Sérieux? Arrête de faire l'hypocrite, Samy, là. Je sais que tu penses que je trippe sur toi, là. Ah bon? Puis c'est pas vrai? Pour qui tu te prends, là? Justin Bieber? Tu penses que toutes tes filles trippent sur toi parce que t'es super cute, pis super fin, pis t'es même pas si cute que 100%. Tout est arrangé, finalement. J'ai parlé à Julie-Pierre, pis elle accepte de rester au journal en attendant que je trouve un remplaçant. Bonne chance avec votre petit journal, parce que moi, je débarque. Hein? Comment ça? Il pense que je suis en amour avec lui. C'est pas parce que je suis fine avec un gars que je suis en amour avec, là, franchement. Mais là, de plus, tu me sautais dessus. Voyons. Mélanie, tu vas pas quitter le journal pour ça. Mais c'est lui ou c'est moi. Choisis. Non, je peux pas, là. OK? Ben, arrange-toi sans moi, d'abord. Ah, Mélanie, je voulais juste pas que tu penses... Toi, là, parle-moi pas. OK? Qu'est-ce que t'as fait, là? Tu viens de casser avec elle. J'ai pas cassé, là. Je sortais même pas avec elle. Mais qu'est-ce que t'as fait, d'abord? Ben, je sais pas. Ah, ben, elle a dû m'entendre pendant que je parlais avec Vincent tantôt. C'était trop te demander de tenir ta langue jusqu'à 4 heures. Ben justement, 4 heures, c'est pas tout de suite, hein? Il nous reste encore tout l'après-midi pour trouver un remplaçant. Laisse faire! Fatima, les plats ratés de ma blonde, là, c'est comme notre fête de voisins de la rentrée des classes. Là. C'est une longue tradition à conserver. Ma mère a juste mis un peu plus de coriandre que d'habitude. J'adore la coriandre. Au moins, il n'y en a jamais assez. Ben, c'est de sauver l'honneur de Stéphanie, ça. Ben, tu sais, comment dit un grand homme? C'est quoi déjà? Ah oui, c'est vrai. Attends, je l'ai. Il ne faut pas mordre le nain qui nous nourrit. J'étais nerveux, OK? Non, tu dois pas tromper les bébés. Mais laisse le faire, ma chérie. Laisse-le manger comme il veut, ma chérie. Ah oui, en passant, cher voisin, félicitations pour une nouvelle pancarte électorale. Merci. Oui. J'étais tellement captivé par ta photo que j'ai pas été capable de retenir le slogan. C'était... C'était quoi, déjà? Le slogan? Ouais. Oui. Ben,
voyons. Regarde, c'est un plan de mémoire, là. Tu nous disais que ta nièce allait venir vivre ici. Oui, merci. Oui, c'est Jennifer. En fait, Marie est partie la chercher au terminus d'autobus. Elle s'en vient ici, elle arrive de Rimouski. Elle vient pour une couple de mois. Ah oui? Elle a quel âge? 13 ans. Maude, tu vas te faire une nouvelle amie. Oh. Mais là, maman, on va attendre qu'elle arrive avant de l'obliger à être mon amie. Qui voudrait? Excusez l'air maussade de ma fille. Elle a des petits problèmes de journal étudiant, par exemple. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver finalement avec le journal? T'as parlé au directeur? Ouais. Il me donne 2 heures de plus pour trouver un remplaçant. Il faut que je lui envoie la liste par courriel. Sinon, ben, pas de journal cette année. Ben oui, c'est ça. Jennifer a vu des moments difficiles ces temps-ci. Là. Sa mère est malade, puis son père est parti au Brésil. Ah! Non, au Chili. Ah! Ouais. Fait que, évitez d'y parler des affaires de famille, là. C'est mieux de même. Et elle dormira où, la petite? Dans la chambre à Vincent? Ah! Non, elle va dormir dans la chambre de Julien, finalement. Ouais, puis Julien va dormir avec Francis. Vincent? Papa, déjà que je vais à l'école publique, là, faudra en plus que je laisse ma chambre que vous m'avez promis de rénover. Regarde, on s'est parlé entre nous autres. Tu peux pas dire que c'est pas mature. Coucou! On est hey! Là! On va se reparler de ça. Qui va chercher tes frères, là? Oui. Qu'est-ce que tu fais, là? Jennifer vient d'arriver. Yeah! Moi, je prends ma douche, puis je descends. Mais, dès aujourd'hui, quand on rentre dans la salle de bain, mets le panneau du côté occupé. Puis là, quand on sort, faut tourner le panneau, puis le mettre... Du côté libre! OK, pas besoin d'être Frankenstein pour comprendre ça. Einstein, pas Frankenstein. Non, mais c'est important, Julien, OK? Et là, je rentre dans la salle de bain, fait que je le mets du côté occupé. M'explique tellement bien, Francis. Tu ris, tu vas être le premier à le trouver pratique, mon panneau. C'est Fatima, Salad. Ça, ce sont les parents de Samy. Ils habitent dans le quartier. Salad? Non! C'est immanquable. Non, c'est Sad. C'est comme Salad, mais sans le L de loser. Je sais que ça fait pas mal de noms à retenir pour la première soirée, mais on s'est dit qu'avec plein de monde de même dans la maison, ça t'éviterait de déprimer. Ben, en fait, c'est que ça t'éviterait de penser à tes potes. À tes petits tracas. Jennifer, tu veux-tu voir ta chambre? Tu vas pas t'installer. Ah! Bravo, champion! Maude, pour ton problème de remplaçant au journal, pourquoi tu demandes pas Vincent? C'est bien ça! C'est un petit peu compliqué, maman. Mais non, c'est pas compliqué! Oh, je suis sûre qu'il voudrait. Ah, nos 3 enfants feraient une activité commune! Non, ce serait la première fois! Ouais, t'es en train d'y en parler! Mais t'as pas besoin du nom de ton 5e volontaire! Ah, je jusqu'à 6 heures, j'en masse le temps! C'était pas dans ta chambre que je devais dormir? Tantôt, ta mère m'a dit que... Oui, on a eu un petit changement de plan. C'est parce que dans ma chambre, il va y avoir des rénaux. Tadam! Jennifer, je te présente ta nouvelle chambre. Chambre, je te présente Jennifer. Je vais avoir cette grande chambre-là à moi toute seule. C'est cool, hein? Ben, il y a de la place pour deux, là. Il y a 2 lits. Ouais, ben, il y en a un qui s'en va dans la chambre de Francis. C'est là que je vais dormir. Mm. Puis, est-ce qu'elle est aussi grande que la tienne, la chambre de Francis? Ben non, la chambre de Francis est la plus petite, mais c'est celle qui a la plus grande fenêtre. OK, je vais dormir dans la plus grande chambre toute seule, pendant que toi puis Francis, vous allez être pognés dans la plus petite. Ah non, fais-toi-en pas, là, c'est pas grave, ça leur dérange pas, hein. Bon, veux-tu compter ben la taille installée? Ben non, quand même, ça me dérange un peu. Je vais devoir laisser toutes mes jouets ici. Mais c'est pas ce que t'as dit quand je t'ai promis une minute d'ordi pour un mois. Ben, je peux pas dormir dans la plus grande chambre toute seule, là. C'est comme pas juste puis pas logique. Bon, ben, tu vas aller dormir dans la chambre à Francis d'abord, là. Puis Francis, lui, va venir dormir avec toi, Julien. OK. Francis va être plus fru! Francis est fru? Mais non! Ah, ferme-la, toi. Non. Je suis pas à l'aise, là. Je propose qu'on fasse comme tes parents disent. Ah, après tout, c'est un petit cité, non? Ho, ho! Bye, bye, les rénaux! Je m'excuse, Vincent, pour tes rénaux, là. Mais non, tu peux pas comprendre, là. Toi, t'es enfant unique, t'as toujours tout ce que tu veux quand tu le demandes. Hé, hey, champion, ça te dérange tant que ça, là, que je sois ici, là? Ben, défoule-toi sur tes parents, OK? Pas sur moi. Oh, champion. Hé, hey, Vincent! Je m'excuse, Francis, j'ai pas vu, 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 j'ai pas vu.
Hey, ça va, Vincent? Non, pas vraiment. Maude, t'avais pas quelque chose à demander à Vincent? Moi? Non, non, non. Il reste exactement 37 minutes pour tout ouvrir en remplaçant. Demande-lui donc. Il manque encore quelqu'un pour le journal, là. Mélanie s'est décidée. OK. Ça fait que t'es comme mon dernier espoir, mais je sais que tu veux juste me laisser sécher. Que... On peut dire ça, oui. Ah oui, donc, Vincent, on va se faire du fun. OK. Hein? T'es sérieux? Oui. Je te garantis pas que je vais assister à toutes les réunions, là, mais tu peux donner mon nom. Oh! Hey, je pensais jamais que j'allais pouvoir dire ça dans ma vie, mais... Merci, Vincent! J'ai compris, là. Bon, ben moi, je vais aller envoyer un courriel à M. Prudhomme, hein? Oh, enfin, la semaine est finie! Oh! Ah, pis c'était temps qu'elle finisse, hein? Toute l'histoire avec Mélanie, là, ça m'a tellement stressé, je pense que j'ai perdu un kilo. Pis moi, tu penses que je suis pas stressé? J'ai l'air d'un rejet du privé, j'ai une cousine qui débarque dans ma vie, pis en plus, je perds ma chambre. Ça pourrait être pire, Vincent. Tu pourrais quitter Rimouski, changer d'école, te ramasser chez tes cousins, puis en plus, dormir dans un lit en forme de petit auto de course, hein? Wouhou! C'est pas drôle. Wouhou! Non, mais là, elle vient, ma chambre. Je viens juste prendre mon pyjama. Comme ça, tu t'arranges pour voir Francis dans la douche, même pas une heure après être arrivé. Veux-tu que je te branche sur le sans-fil de la maison? Comme ça, si tu t'ennuies trop, tu vas pouvoir chatter avec tes amis avant de t'endormir. Je pense pas que tes parents aimeraient ça. Mais là, tu peux me faire confiance, Jennifer, je leur dirai pas. OK. Tiens. Voilà. Ah, puis pour les rénaux de ma chambre, c'est vraiment pas plus grave que ça, là. C'est pas la fin du monde si j'attends encore un peu. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal intéressant, toute la décoration de petit auto. Ouais. Non, mais c'est cool. Je serai pas trop dépaysée. Dans ma chambre, il y a encore de la vieille tapisserie avec des pouliches. Sérieux? C'est encore plus laid que des voitures de course. Bon, ben. Ben, bonne nuit. Jouer ou revoir des émissions? Rejoignez-nous sur le web!